Bien. Après cette démonstration des cinq trésors, je suis heureux de vous proposer le travail d'approfondissement de chacun de ces mouvements. Ils sont donc au nombre de cinq et leur principale vocation est de proposer un travail d'harmonisation générale de l'énergie vitale dans le corps, mais aussi un travail d'harmonisation plus précis de certains organes. Le premier mouvement travaille sur l'ensemble des organes puisque nous stimulons ce que l'on appelle l'ensemble du triple réchauffeur, c'est-à-dire des trois foyers, le foyer inférieur, le foyer médian et le foyer supérieur. Ce travail sur le triple réchauffeur sera abordé plus en détail dans des vidéos plus avancées. Ensuite, il y a un travail d'harmonisation cœur-poumon, puis un travail d'harmonisation cœur-rein, un travail d'harmonisation de la grande circulation céleste qui pourra être aussi détaillé plus tard. Et enfin, un travail d'harmonisation générale de l'énergie terre-ciel dans le corps avec le dernier mouvement. Le premier mouvement, donc, fait référence à un travail sur le triple réchauffeur. Pour cela, il faut s'installer dans une position correcte qui reviendra pour chacun des cinq trésors. La position de base étant les pieds parallèles, en vous référant plutôt au bord externe de vos pieds. C'est-à-dire qu'ici, je vais prendre cette ligne sur le sol, par exemple, pour bien prendre conscience de mon bord externe du pied. Et c'est ces deux parties que je vais chercher à mettre parallèles. Ensuite, il faut veiller à laisser tomber le poids du corps dans l'ensemble de la plante des pieds pour vous sentir bien enraciné sur le sol. Et ce poids tombe précisément dans 9 points d'appui, 9 points d'appui que sont le centre du talon, le bord externe du pied, le coussinet du petit orteil, le coussinet du gros orteil et les cinq orteils eux-mêmes. Donc 5 et 4, 9. On fait en sorte de bien tomber dans ces 9 points d'appui. Pour favoriser cette sensation d'ancrage, nous allons nous concentrer maintenant sur un travail du bassin. Un travail du bassin qui consiste à mettre le bassin en rétroversion, c'est-à-dire en bascule arrière, mais de manière très douce. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre avec un mouvement de flexion comme ceci du bassin très important grâce à une action des muscles abdominaux, mais bien un travail plus profond qui va partir plutôt de la région sacrée, du sacrum, du coccyx, un petit peu comme si vous aviez attaché un poids ici à la pointe du coccyx, poids qui entraînerait celui-ci vers le sol, vers la terre, et vous amènerait à fléchir légèrement dans vos jambes, ce qui fait que vos genoux vont être donc fléchis au maximum à l'aplomb de l'extrémité de vos orteils. Ceci fait, concentrez-vous ensuite sur la partie haute de la poitrine. En effet, il n'est pas rare ici que nous mettions des tensions dans cette zone, une poitrine plutôt bombée vers l'avant, vers le haut. Ici, pour la pratique du Qigong, il est conseillé plutôt de relâcher cette zone, de faire lâcher cette zone, de manière à ce que la poitrine se détende réellement sous les clavicules ici. Voilà, comme je le symbolise ici avec mes doigts, je le matérialise ici avec mes doigts, vous voyez la poitrine plutôt gonflée, plutôt en avant, et bien ici, nous serons plutôt à l'inverse, la poitrine relâchée, détendue. Mais là aussi, ne tombez pas dans un excès de fermeture, il faut que ça reste très harmonieux entre l'avant et l'arrière du corps, de la poitrine. Contrôlez ensuite vos épaules avant de démarrer le Qigong, c'est-à-dire que vos épaules doivent rester plutôt basses. Là aussi, on a souvent très peu conscience des tensions profondes qu'il y a dans la région des épaules, qui fait que nous avons plutôt les épaules comme ceci, en exagérant les choses, que des épaules relâchées et détendues vers le bas, tombant vers le bas, vers la terre. Enfin, contrôlez un petit peu le port de votre tête, le port du cou, en particulier avec un menton légèrement en retrait, une nuque légèrement aspirée vers le ciel. Là aussi, sans exagérer les choses, pour ne pas tomber dans un mouvement très érigé comme ceci, qui contribuerait plutôt à fermer, à entraver la bonne circulation de l'énergie dans le cou, qu'à la favoriser. Voilà, une fois que vous avez mis ce minimum en place, bien évidemment, dans des vidéos plus avancées, vous verrez qu'on peut aller beaucoup plus loin en termes de conscience et de placement juste pour le Qigong. Ceci représente d'abord des bases importantes. Eh bien, nous allons pouvoir commencer donc le premier mouvement.
Le premier mouvement, donc, dans la posture que je viens d'indiquer, vous demande de placer les mains plutôt paume vers l'arrière. Et à partir de là, nous allons produire un mouvement de poussée avec les paumes vers l'arrière, comme ceci, un peu comme si j'avais placé deux ballons imaginaires entre moi et le mur qui serait derrière moi, et je presse sur ces deux ballons. Je presse sur ces deux ballons avec le centre de la main, avec un point précis qui se trouve dans la ligne de votre majeur. Voilà. Ce point s'appelle Lao Gong en chinois, et c'est un point qui correspond au méridien du maître-cœur, au méridien du péricarde, au méridien qui correspond à l'enveloppe cardiaque en fait. Eh bien, on va du coup stimuler cette zone par la conscience que nous allons mettre à l'intérieur à travers ce geste d'appui sur un ballon imaginaire qui serait derrière moi, comme ceci. Ce mouvement est très doux, il correspond presque à un micro-mouvement, il y a une très faible amplitude. Et je le montre ici de profil. Voilà, pour vous montrer qu'il s'agit plus d'un micro-mouvement conscient que d'un grand geste purement physique. Ce geste ne serait pas complet si l'on ne parlait pas de la source du mouvement. La source du mouvement, vous avez noté que j'ai fait allusion à l'enveloppe cardiaque, au péricarde, au maître-cœur. Eh bien, ça va plutôt être donc la région du cœur qui va s'ouvrir pour générer comme un léger automassage de cette zone. Cette ouverture va engendrer un mouvement dans les épaules, puis dans le bras, l'avant-bras et la main. Je le montre ici, de profil, sur une seule main. Donc vous aurez compris qu'il y a un lien entre cette zone du cœur, la poitrine, et la poussée que je mets sur la paume de la main. Tout est relié. La main ne fonctionne pas de manière indépendante. Voilà pour l'origine, la source du mouvement. Une précision supplémentaire. Quand vous faites ce travail de pousser sur l'arrière, c'est dans l'idée aussi d'ouvrir tout l'intérieur du bras, c'est-à-dire toute la partie yin du bras, où passent finalement tous les méridiens yin du bras. Ils sont au nombre de 6. Les yang passent plutôt à l'extérieur, en remontant, le sens de la marée, le sens du mouvement énergétique, du flux est plutôt dans ce sens. Et les yin passent à l'intérieur avec un mouvement plutôt allant de l'épaule vers la main. Alors, quand vous poussez comme ceci, c'est avec l'idée d'ouvrir toutes les lignes jalonnant donc l'intérieur de vos bras. Et là, vous avez donc un travail de liaison encore plus fort, c'est-à-dire l'origine du mouvement, le centre de la poitrine, la région du cœur, du thymus, le passage à l'intérieur des bras, des avant-bras, et de la main. Ensuite, nous allons, dans un deuxième temps, générer un mouvement de montée des bras. Et ce mouvement va lui aussi être le résultat de cette fermeture maintenant qui est venue après l'ouverture. Ce mouvement ressemble fort à tous les mouvements de tai chi, de début de forme de tai chi,
mais aussi à beaucoup de mouvements de Qigong connus. Et je relâche. Voilà. Donc, concentration sur la région du cœur, ouverture du yin des bras, de l'intérieur, fermeture et soulever, en quelque sorte, le ciel. Hein. L'idée, maintenant, est vraiment de mettre la conscience au sommet du poignet, ici, comme si vous vouliez soulever le plafond ou le ciel avec. Du coup, vous êtes en train d'ouvrir cette zone, alors que juste avant, vous avez ouvert celle-ci. Ici passent donc des méridiens yang, et en particulier dans le quatrième doigt, le méridien du maître-cœur, du triple réchauffeur, excusez-moi, rectification, le maître-cœur étant ici, ici vous avez donc le triple réchauffeur, dans le quatrième doigt. Eh bien, à partir de là, continuez, la montée des bras se poursuit, et arrivé à ce stade, je vais penser à pousser le ciel avec le dessus des poignets, le dessus des mains. Dans cette position, je vais aussi me concentrer sur le fait d'étirer tous les muscles du dos. Les muscles se trouvant dans la région des omoplates, le grand muscle dorsal ici, les lombaires, vraiment la sensation de me suspendre comme si je m'étais accroché à une barre ici et je veux étirer l'ensemble des muscles du dos. C'est pourquoi vous allez pouvoir libérer là aussi un peu le coccyx et le sacrum vers la terre et laisser un effet inverse se produire vers le haut, c'est-à-dire quelque chose qui monte et quelque chose qui descend. Donc vous allez produire un auto-grandissement et un auto-étirement de l'ensemble des muscles dorsaux. Nous reprenons. Ouverture dans la poitrine. Transmettez une onde qui passe dans le bras, l'avant-bras, le centre des mains. Fermeture dans la poitrine qui engendre un mouvement de montée des bras. Continuez à soulever avec les poignets. Étirez l'arrière du dos. À partir de là, on va changer la forme des mains et présenter la paume au ciel comme pour accueillir l'énergie du ciel, mais aussi comme pour accueillir un poids. Imaginez un poids très lourd qui viendrait se poser sur vos mains et vous le soutenez. Bien évidemment, vous le soutenez plus par la pensée que par une action purement physique ou musculaire. Mais c'est l'idée que ce poids tombe au centre de vos mains et que vous devez le soutenir. Là aussi, c'est une façon de conduire beaucoup d'énergie dans cette zone, dans la paume des mains. Après cette étape, nous allons nous concentrer sur l'extrémité des cinq doigts, sur le bulbe des cinq doigts, qui va caresser dans un mouvement circulaire comme une voûte qui se trouverait au-dessus de notre tête. L'on peut imaginer la voûte céleste, mais aussi tout simplement une voûte artificielle qui serait ici, de manière à générer un mouvement correct jusqu'à redescendre vos mains à côté de la taille des cuisses pour recommencer une deuxième fois l'exercice. Premier temps. 1, 2, étirez ici le dos, mais étirez aussi votre axe central et l'ensemble donc des trois foyers dont je vous parlais au début,
c'est-à-dire la sensation d'étirer une ligne à l'intérieur qui relierait finalement l'abdomen, la région de l'estomac, la région de la poitrine et du cœur. Et ensuite, une phase yin ici, où vous recevez plutôt dans les mains, comme un poids qui viendrait sur vous, que vous soutenez, et enfin, caressez la voûte céleste. Voilà, à ce stade de la pratique, si vous avez bien suivi les consignes et appliqué, vous devez déjà avoir des manifestations très nettes dans les mains, dans les bras, de petits picotements légers, une sensation de chaleur qui s'est installée dans tout le corps, ce qui signifie que vous avez commencé à mettre en mouvement l'énergie vitale en vous. Particularité de ce mouvement, quand nous sommes à ce stade, pour amplifier le travail de l'énergie dans les trois foyers, il faut pousser sur la plante des pieds pour s'élever sur le bol du pied et les orteils. Et ensuite, soutenir dans cette position avant de redescendre progressivement et de renfoncer les talons dans le sol. Voilà. Le fait de monter sur la pointe des pieds va mettre en mouvement l'énergie dans les jambes. Donc, vous allez, à travers ce mouvement de monter sur la plante des pieds, réharmoniser l'énergie dans tout le corps, dans le sens au bas. En effet, il ne s'agit pas de chercher à faire circuler uniquement dans le haut, mais bien dans l'ensemble. C'est pourquoi nous montons et descendons dans le même temps sur la plante des pieds. Si vous avez du mal au début, n'hésitez pas à travailler ceci, appuyez sur un meuble, sur une table, travaillez simplement comme ceci, hein, et puis petit à petit retirez les mains hein, et continuez pour voir si vous avez trouvé votre centre dans un mouvement comme celui-ci et si vous pouvez tenir sans difficulté et redescendre à un rythme régulier. Si vous n'y arrivez pas en exécutant le mouvement des bras, laissez du temps passer, continuez l'exercice sans monter sur la pointe des pieds. Par contre, envisagez-le intérieurement, c'est-à-dire que vous allez amener quand même le poids dans l'avant et vous allez vous imaginer en train de pousser dans cette plante des pieds, dans l'avant des pieds, pour monter donc. Mais vous ne le faites pas. Et petit à petit, ça va s'installer en vous et vous finirez par trouver votre centre dans ce mouvement, votre équilibre. Bien. Alors, nous allons justement parler un petit peu maintenant de ce qui se passe dans les pieds quand vous faites ce Qigong, ce que l'on appelle le yin-yang des pieds, qui reviendra aussi dans beaucoup d'autres exercices. Ici, quand vous poussez les paumes en arrière, mettez plutôt la conscience dans l'avant des pieds et dans les orteils. La conscience est un peu le poids. Puis, quand vous commencez à monter, laissez revenir le poids et la conscience dans les talons, et je dirais dans le départ des talons, dans la racine et non pas à l'extrémité. Ici, naturellement, puisque nous allons monter sur la plante des pieds, nous allons revenir dans l'avant du pied. Et ici, naturellement, nous allons revenir dans les talons. Au plus le centre du talon. Voilà, vous essaierez d'appliquer cela quand vous maîtriserez bien le mouvement dans son ensemble. Vous allez aussi pouvoir appliquer un petit travail donc de pompe ici dans la région du sacrum. Donc vous pouvez reprendre l'idée du petit poids ici qui tire le coccyx vers le bas. Et à ce moment-là, quand vous êtes au départ du mouvement, laissez le sacrum et le coccyx comme aspirer plutôt vers l'arrière et vers le ciel. Et seulement quand les bras commencent à monter, eh bien c'est le coccyx et le sacrum qui sont entraînés plutôt vers le sol.
arrivez ici, laissez-le de nouveau remonter vers le ciel, aspirer vers le ciel, et il reviendra naturellement vers la terre pendant le mouvement de descente des bras. Vous aurez donc un mouvement de rétroversion léger du bassin quand vous redescendez dans vos talons. Encore une fois, ne forcez pas ce phénomène. Faites-le de manière très douce et plutôt localisé dans la région sacrée, le sacrum et le coccyx.